t'écoute un peu, c'est le meilleur des morceaux, ça. Oh, j'adore ça. Surtout cette partie-là. Oui, c'est très vivant. Est-ce que tu as besoin de l'écouter aussi fort? Oh, je veux que toute la population féminine de cette île sache que je suis dans le coup. Être dans le coup, je veux bien, mais là, c'est un petit peu bruyant. Tu te rends pas compte, tu n'y connais rien. C'est un enregistrement pirate du concert de Bobby Tone. Ah, oui, mais à 8 heures du matin, c'est encore un petit peu tôt pour mon système nerveux. Il faut vivre avec son temps, tu comprends? En ce moment, c'est ce que tous les jeunes écoutent. Il paraît que les filles sont toutes folles de lui. Ça les met dans un état. Pitié pour mes oreilles. Bah, c'est bon, t'as gagné. Dire que j'en suis réduit à utiliser des boules-caisses et de l'aspirine. Je crois même t'avoir entendu gémir en te levant du fauteuil. Ah bah, tu peux toujours te moquer. Mais qu'est-ce que tu dirais si je te proposais 4 places pour le prochain concert de ce chanteur, Bobby Tone? Il passe au bar de la plage. Ma présence est obligatoire? Mais essaie de comprendre. Quand tu as 4 places pour le concert de Bobby Tone, toutes les filles feraient n'importe quoi pour t'accompagner. Et on utilise le sex-appeal de ce chanteur pour les faire succomber à notre charme. Oui! Ça marche du tonnerre! N'en doute pas. Bon, je m'occupe de trouver des filles. Ah. Meurtre au club Go, la victime laisse une femme désespérée. Jonathan! Hey, Jonathan! Ça va? Non, c'est cet article que je viens de lire là dans le journal. Ah, ben moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la météo, rien d'autre. Il y a eu un meurtre au club Go hier soir. C'est cet homme, un Américain, marié avec une femme asiatique. Oh. Et alors? Je me souviens que, un jour, dans mon enfance, j'étais encore gamin, je devais avoir 11 ou 12 ans. J'ai vu le corps de la première victime du tueur de Kyoto. Il faisait nuit. Il était tard. Mon père et moi revenions de la pêche ou d'un séjour à la campagne. Je me souviens plus exactement. On lui a demandé par radio de se rendre sur le lieu du crime. Il m'a dit de l'attendre dans la voiture, mais j'étais curieux. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est cette femme qui pleurait. Elle pleurait. Elle hurlait. Et ses hurlements étaient terrifiants. Depuis, le tueur de Kyoto a fait 8 nouvelles victimes. C'est toujours le même schéma. Une femme asiatique et un Américain attaqués par derrière. Le tueur porte un long manteau et un chapeau. Je trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec le meurtre du club Go. Ah, ça s'est passé dans un autre pays, il y a longtemps. Ouais, bien sûr, mais qui sait? Il existe peut-être d'autres liens entre les différents meurtres. Il devrait peut-être téléphoner à la police et les mettre au courant. C'est fait. À ton avis, c'est le tueur de Kyoto qui aurait commis ce meurtre-là? Ça m'étonnerait beaucoup. Il a été condamné à perpétuité. Il purge sa peine dans une prison au Japon. この書類を読むチャンスなかったですか。はい、はとい。なんで俺のところに来るんだよ。人たちあなたには関係方法にある。前はどう思う。あなたよくわかりあります。それ。 二人が責任者か分かりあります。 Vous connaissez un certain Herman Jablonski? Ben, ça dépend qui le recherche.
J'ai à lui parler. Ah, fais attention à ce que tu fais, petit, sinon je suis bien capable de m'énerver. J'aimerais bien vous voir à l'œuvre, monsieur Jablonski. Bobby Tone veut ses photos. Vous savez ce que Sandy va lui faire si vous les lui montrez? Elle va le virer et piquer tout ce qu'il a. Elle lui en laissera la moitié. Son image de marque va en prendre un coup. Comment voulez-vous qu'il crée dans ces conditions? Ah, il n'a qu'à se reconvertir. Je te croyais en bon terme avec ce Bobby Tone. Non, je suis en bon terme avec Sandy, sa future ex-femme. Elle demande le divorce et je dois m'occuper personnellement de son dossier. C'est tout ce que tu as trouvé comme boulot. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu trembles toujours dans des histoires louches et quand tu t'es fourré dans des embrouilles, c'est moi qui suis obligé de te tirer l'affaire. Et attendez une minute. Tu ne trouves pas que je suis en forme? Vadaboum. Vadabing. Dis là, t'as remarqué, le grand type musclé, là, il est bâti un peu comme moi. Enfin, je veux dire que j'étais jeune. Qu'est-ce que tu as à voir avec cette Sandy? Sandy. Ouais. Bah, c'est elle qui m'a donné les quatre places pour le concert. À mon avis, tu ferais mieux d'enfiler une armure avant d'y aller. Il y a à peine une heure, une deuxième tuerie a eu lieu à la discothèque métropolitaine. Selon la police, ce crime ressemblerait à celui du club Go. S'il vous plaît, reculez-vous, s'il vous plaît. Allons, messieurs, dames. Je veux que vous leur disiez que l'ambulance arrive. Il va falloir faire dégager la voie pour qu'elle puisse passer. Faites évacuer tous ceux qui n'ont rien à faire là. On est déjà assez nombreux. Coucou, Sophie. Jablonski, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit je t'appelle demain matin. Je peux t'expliquer si tu veux. Bon, ce sera pas la peine. S'il vous plaît, monsieur, ne franchissez pas la ligne de sécurité. Alors? Attends, je réfléchis. Bah, dépêche-toi, parce que cette fille pourrait peut-être nous aider à y voir plus clair. Bah, il me faut plus de temps que ça. Je voudrais trouver un argument en béton, tu comprends? Tu fais des prouesses quand tu es sous pression. S'il vous plaît, reculez-vous. Restez derrière la ligne. Non, je suis désolé, là. Excusez-moi. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ego, what are you must be? Mais on va dégager une escale. Excusez-moi, êtes-vous de la police? Non, mais je parle japonais et c'est très pratique pour commander des sushis dans un restaurant, mais pour l'instant, reculez s'il vous plaît, restez pas ici. Dois-je comprendre que vous êtes chargé de l'enquête? Nikki Kay de la police de Kyoto en mission commandée. La police de Kyoto? Du département de recherche? Je suppose que ça doit vous changer de vos dossiers, inspecteur. Mademoiselle Kay, quelle que soit votre opinion à ce sujet, je suis envoyée par mon gouvernement en mission commandée. Et vous êtes? Raven, Jonathan Raven. C'est moi qui ai téléphoné à la criminelle pour leur signaler qu'il y avait un lien entre Kyoto et ces deux meurtres. Ah, je vois. Et c'est pour cette broutille que la police de Hawaï a contacté celle de Kyoto. Broutille? Il y a quand même eu deux meurtres. D'après vous, il n'y aurait aucun rapport entre Kyoto et tout ceci? Non, non, personne n'y croit, monsieur Raven, sauf vous. J'ai été envoyé ici pour amuser les autorités locales. Mais ces meurtres à Kyoto... Je sais ce que je dis, j'ai été chargé d'étudier ces cas. D'ailleurs, il y a trois jours, j'ai eu un entretien avec Okura Makura, le responsable des tueries de Kyoto. Et je peux vous assurer qu'à l'heure qu'il est, cet homme est en prison. Auriez-vous l'extrême amabilité? Et si quelqu'un cherchait à l'imiter? Vous avez beaucoup trop d'imagination. Ces deux meurtres à Honolulu ne constituent pas un schéma suffisant. Ah, je vois.
Comme vous passez la journée le nez plongé dans vos dossiers, vous connaissez tout sur les meurtres en Syrie. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a une chose dont je suis certaine. C'est à cause de votre coup de téléphone que je suis ici pour perdre mon temps. Mademoiselle Kay, je suis sincèrement désolé. Rentrez donc chez vous, monsieur Raven. Vous nous avez déjà beaucoup trop aidés. Si vous continuez à vous mêler des affaires de la police, je vous ferai arrêter pour obstruction à la justice. S'il vous plaît, Sophie, je vous en prie, juste une fois pour voir ce que ça fait. Ah non, écoute, c'est pas le moment, on est en plein boulot. Mais enfin, je lui demande pourtant pas grand-chose, dis-lui ce qui... Il est hors de question que je vous passe les menottes. Même si je paye une tournée? Ah si, tu pourrais peut-être les lui passer les menottes et le tabasser un peu, histoire de faire son éducation. Vous êtes vraiment dingue. Oui, mais on ne refuse pas une tournée gratuite. Excusez-moi. Oui? Je suis à la recherche de Big Kahuna. Vous l'avez devant vous, mais tous mes amis m'appellent Big. Enchanté, monsieur Becker. Savez-vous où je peux trouver Jonathan Raven? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois reconnaître que je me suis conduite d'une manière assez peu professionnelle hier soir. Je tenais à m'en expliquer, monsieur Raven. Appelez-moi Jonathan. Nikki. Eh bien, Nikki, je vous écoute. Cela fait maintenant 4 ans que je travaille au département de recherche et il est peu probable que je réussisse à devenir inspecteur. C'est très difficile pour une femme au Japon. Oui, je sais, c'est pas évident. Ils m'ont envoyé à Hawaï uniquement pour se moquer de moi. Ils connaissent mes ambitions et c'est leur manière d'y répondre. Ils sont convaincus que cette piste ne mène nulle part. Continuez. C'est pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un comme moi. Ils savent bien que je perds mon temps sur cette affaire et qu'évidemment, je n'aurai aucune chance de progresser. Sauf si vous parvenez à découvrir quelque chose. Je vous en prie, monsieur Raven. Si je suis revenu vous voir, ce n'est pas parce que j'ai changé d'avis. Vous savez bien qu'il n'y a aucun rapport entre ces meurtres et ceux de Kyoto. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Le meurtrier s'attaque toujours à un couple mixte qui l'agresse par derrière. Et l'autre soir, la description que cette femme m'a faite, ce grand manteau et le chapeau. Vous parlez comme Makura. Il affirme que c'est lui qui les a tués. Malheureusement, il existe des points communs entre tous les meurtres. Jusqu'à présent, ce que vous considérez comme un schéma n'est en fait qu'une simple coïncidence. Oui, pour vous, peut-être. Désolée de vous avoir dérangé pour rien. Nikki, le tueur de Kyoto attaquait entre 23h et 1h du matin, comme ici. Qu'est-ce que vous allez faire s'il y a un autre meurtre ce soir? Ce soir, j'ai l'intention de me reposer car je dois prendre l'avion demain matin. Je vous suggère de rentrer chez vous et de faire pareil. Au revoir. Monsieur Raven, je pense que je vous dois des excuses. Appel à toutes les unités, on signale un incendie au Paradise Hotel. Alors, que dit la police? Ils m'ont regardé d'une drôle de manière, comme si j'étais un petit peu fêlée. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui, c'est à peu près ça. Après vous? J'ai accès à tous les rapports de police, mais cela représente beaucoup trop de travail pour une seule personne. On est 3. Que de dossiers. Ma spécialité, ce sont les dossiers. En voilà d'autres? Ce sont mes affaires personnelles. Je devais rentrer chez moi aujourd'hui. La police de Kyoto fait très attention aux dépenses. Je vais donc être obligée de me débrouiller toute seule. Le problème, c'est que pour l'instant, nous ne disposons que de faits. Il nous faudrait peut-être un autre point de vue. Et aussi un petit déjeuner, hein? Mais les faits sont inutiles. Sauf si nous avons une théorie. Il nous faudrait concevoir une...
Une hypothèse? Oui, c'est ça. On doit d'abord élaborer une théorie et voir si les faits concordent. Sans une théorie, ce n'est que du papier. Il se peut que nous en ayons déjà une, Nikki. Vous m'avez dit que Makura déclarait être responsable de tous ces meurtres. Oui, mais c'est tout à fait impossible. Il est en prison à des kilomètres d'ici. Attendez, pour retrouver un meurtrier, il faut penser comme lui. Dites-moi, ça vous dérangerait pas de prendre 5 minutes pour pouvoir me mettre au courant? Bah oui, qui c'est ce Makuro et qu'est-ce qu'il peut avoir de si important? Okuro Makura. Et bon. Le tueur de Kyoto, je t'en ai déjà parlé. Ah? Un mois environ avant le début des meurtres, la femme de Makura l'a quitté pour un homme d'affaires américain. 2 semaines après, elle et son petit ami sont allés dans une discothèque de Kyoto. Ils en sont sortis vers minuit et son petit ami a été assassiné devant le club. Ah, et c'est pour ça que le tueur s'en prend au couple mixte à la sortie des nightclubs. Une asiatique et un américain. Exactement. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver que Makura est mêlé d'une façon ou d'une autre à tous ces crimes. Okuro Makura a un frère qui habite ici à Hawaï. Aketo Makura, c'était dans son dossier médical. Numéro 169420. Et vous avez son adresse sur le bout de votre jolie petite langue. C'est à la Marina Kalime, numéro 8. Hein? J'ai une bonne mémoire des chiffres. Répétez, hein, pour voir. J'ai une bonne mémoire des chiffres. Si on allait parler au frère. Jonathan. Vous avez demandé à Monsieur Jablonski d'aller prendre des renseignements auprès de la police. Vous croyez qu'il aura accès au dossier plus facilement que moi? Non, mais étant donné les relations qu'il entretient avec eux, ça vaut le coup d'essayer. Je ne voudrais pas paraître grossière, mais puisque je fais partie de la police et pas vous, il serait préférable que ce soit moi qui procède à l'interrogatoire. Eh bien, je vous en prie. Il y a tellement longtemps que tout cela est arrivé. Pourquoi vouloir tout à coup remuer tous ces souvenirs pénibles? Parce que 3 personnes ont été tuées, Monsieur Makura. Les crimes ressemblent à ceux qui se sont produits il y a quelques années. Écoutez, mon frère est en prison, il ne peut pas être tenu pour responsable. À part vous, il n'y a personne d'autre? Il avait un fils. Le pauvre garçon s'est tué quelques jours après le procès. Quelle humiliation! Il n'a pas pu le supporter. Je suppose que vous en avez terriblement voulu à la femme de votre frère. Oui, bien sûr. Il aurait fait n'importe quoi pour elle. Et quand vous vous êtes revus, la confrontation s'est plutôt mal déroulée. C'est vrai. Et je le regrette. Mariko était une femme très arrogante. Elle ne pensait qu'à elle. À ses yeux, les autres ne comptaient pas. Mais pourquoi êtes-vous venu me poser toutes ces questions? Kameko, Kameko! Je suis désolée, je m'inquiétais. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Je n'ai rien à craindre. Je t'en prie, tu n'as rien à faire ici. Kameko, écoute-moi. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Vous avez fait ressurgir de mauvais souvenirs en venant ici. Mon père est un homme bon. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il ne sait rien des crimes dont vous parlez. N'y touchez pas. Si vous êtes de la police, comme vous le prétendez, vous devez savoir qu'il vous faut un mandat de perquisition pour fouiller chez moi. Je n'avais jamais rencontré un étranger aussi familier aux coutumes de mon pays. Vous êtes vraiment une énigme, Jonathan. Une énigme? Une énigme de chair et de sang. C'est vrai. Et que pensez-vous de Aketo? C'est un homme difficile à cerner, mais j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur son couteau. Moi aussi, j'aimerais l'examiner. Écoutez, Nikki. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais si notre théorie est bonne, il faut s'attendre à un autre meurtre cette nuit. Dans ce cas, que suggérez-vous? Si nous faisions le tour des boîtes de nuit, les 2 premières se trouvent à quelques rues d'ici. Nous savons ce que Makura pense, comment il opère. Il faut qu'on trouve la victime qu'il serait susceptible de choisir. C'est beaucoup trop risqué. Pourquoi feriez-vous ça? Vous n'y arriverez pas toute seule. Il faut que quelqu'un vous aide. Vous êtes très différent des autres hommes. Oh, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Pourriez-vous m'indiquer un endroit où... Ma maison est la vôtre. Thank you.
Vous voyez, il suffit de l'appeler et il répond tout de suite. Où est Jablonski? Ça, je l'ignore. Ça fait un bout de temps qu'on le suit, on sait qu'il habite ici. Je suis désolé, mais je crois que vous faites erreur. Tu es son ami? Alors habille-toi et suis-nous. Fermez la porte en sortant. Okura Makura choisissait toujours les clubs les plus bondés. Ça se comprend dans un sens. Il avait plus de choix et une meilleure couverture. C'est ce qui s'est passé ici. Il doit y avoir d'autres clubs dans les environs. Le mieux serait d'y aller faire un tour. Pendant ce temps, Ski ira surveiller notre ami Aketo. Au cas où il tenterait une expédition nocturne. Que se passe-t-il, Nikki? Vous êtes très fort, Monsieur Raven. Si j'étais aussi fort que vous le dites, je ne serais pas là avec cette arme pointée sur moi. Les auteurs de crimes en série cherchent souvent à se faire prendre. N'est-ce pas, Monsieur Raven? Et c'est pour ça que vous avez averti la police. Et qu'est-ce que vous racontez? Les faits concordent parfaitement. Je vous écoute. C'est vous qui avez téléphoné à la police après le premier meurtre, et c'est encore vous qui avez parlé de similitudes. Je vous sers à boire? Non. Vous êtes très bien renseigné sur Okura Makura, ses victimes, ses méthodes, sa façon de penser. Ce qui fait de moi le meurtrier? Non. Mais ceci pourrait le prouver si les analyses révèlent des traces de sang correspondant à celui des victimes. Vous n'avez rien compris. Au contraire. Faites donc examiner cette dague. J'ai une bien meilleure idée. Laquelle? On attend ici. Si vous êtes avec moi et qu'il n'y a aucun si meurtre... Si vos déductions sont fausses, vous aurez un meurtre sur les bras. Je vous propose un marché. Nous allons nous rendre en ville comme prévu. Je vous laisse mon arme, je resterai près de vous. Et si je suis le meurtrier, vous me tuerez. Si ce n'est pas moi, on fera quelque chose pour empêcher le prochain crime. Qu'en dites-vous? Cette musique! Décider de me casser les pieds, c'est pas possible. Vous voulez danser? Quoique, avec cette arme, ça risque de ne pas être très pratique. Allez, avancez. Oh, c'est sa fille. Makura a décampé.
suppose que votre index doit commencer à se fatiguer. J'aurai tout le temps de me reposer demain matin. Je pensais que mon comportement vous aurait éclairé sur ma personnalité. J'ai vu le traitement que vous avez réservé à ces hommes ce soir. Désolé, mais j'ai perdu. Je l'ai suivi une bonne demi-heure avant de me rendre compte que c'était sa fille. Quand je suis revenu sur le bateau, il n'était plus là. Bonsoir, mademoiselle. Auriez-vous l'obligeance de ne pas vous approcher de Monsieur Raven? Excusez-moi. Je vous demande de reculer. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec une arme? Elle la braque sur nous. Ah, hein? Ben... Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il devait y avoir encore un meurtre. Oh là là, j'en finis plus que ça. Complètement. Oh, j'ai horreur d'aller à la morgue. C'est vrai, ça me donne la chair de poule. Je commence à croire que Okura Makura est responsable de ces assassinats. Les fibres textiles récupérées sur la victime correspondent à celles qu'on a trouvées au Japon. Oh. Et ce n'est pas tout. Ceci est strictement confidentiel et connu que des services de police. Je vous promets de tenir ma langue. À Kyoto, les 8 victimes ont été égorgées avec la même lame. On sait que cette lame porte une encoche à 3 cm du manche. Cette même dague a servi à Honolulu. Ça ne peut pas être la même, elle a été confisquée à Kyoto. Seulement après le procès, les affaires de Makura ont été rendues à sa famille. Et à votre avis, qui aurait pu les récupérer? Je n'en sais rien. Je n'avais que 15 ans au moment des faits et je n'avais pas encore commencé à étudier ces dossiers. Ce qui nous ramène à son frère Aketo et à cette dague qu'il avait chez lui. Si seulement je pouvais avoir une petite discussion avec sa fille. Oh, mais ça ne devrait pas être difficile. Elle travaille dans une boutique qui s'appelle Tanline à Waikiki Beach, au numéro 26, route de la plage. C'était dans son dossier. Vous connaissez peut-être le numéro de cette rouquine que j'ai rencontrée devant chez Becca. À quoi ça coûte rien de demander? Si je pars maintenant, j'aurai le temps de parler à Kameko avant le petit déjeuner. Mais vous n'êtes pas habilité à le faire. Ben si, je suis votre assistant. Je vais m'excuser auprès d'elle pour votre attitude grossière. Ah, je vois le gentil flic et le méchant élémentaire, mon cher Watson. Ah. Je vous retrouve chez moi dans 2 heures. Au revoir. Jonathan, je pense que je suis faite pour travailler dans la recherche et non sur le terrain. Je suis désolée, je me suis trompée à votre sujet. Vous n'avez pas à vous excuser, vous vous en sortez très bien. Vous avez pris une bonne décision. Celle de me faire confiance. Attention, accrochez-vous bien, cette vieille voiture n'a pas de ceinture de sécurité. Mon père n'a rien à cacher, Monsieur Raven, ni à vous, ni à cette femme. C'est pour ça que je suis ici. Vous savez, je suis d'accord avec vous, mais c'est dur de convaincre ma collègue. C'est une personne très têtue. Eh bien, Monsieur Raven, si vous nous compreniez, vous nous laisseriez tranquilles. Mon père est un homme très bon. J'en suis persuadé. Mais si vous pouviez m'apporter ce couteau qui était sur son bateau, j'arriverais peut-être à la convaincre. Elle en saurait autant que nous. Si je comprends bien, vous me demandez d'aller voler ce qui appartient à Aketo? Non, je ne veux pas que vous le voliez. Je veux seulement le garder et prouver que ce n'est pas l'arme du crime pour qu'on vous laisse tranquille, votre père et vous. Kameko, c'est la seule solution. C'est mieux qu'un mandat d'arrêt, non? Mon père est un homme très solitaire, Monsieur Raven. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Laissez-moi. Il vous avoue. Aidez-moi à découvrir la vérité. Apportez-moi le couteau. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Voici mon numéro. Appelez-moi. Si je ne suis pas là, vous me laissez un message, d'accord? Je suis sûr que vous le ferez. Akiro-san, Kokoni imasu ka?
Jonathan, il est presque 7 heures. Vous croyez qu'elle va appeler? On sait rien. Elle aurait déjà dû le faire depuis longtemps. On dirait que votre petit manège ne l'a pas convaincue. C'est possible. Il reste encore ce soir. Il y a deux autres clubs dans le coin. Makura ne frappait jamais deux fois au même endroit. Ce sera pile ou face. Ah, si vous allez danser ce soir, moi je viens avec vous. C'est toi qui invites? Non, sérieux, je ne plaisante pas. Tu ne comprends donc pas que Nikki et toi, un blanc avec une asiatique, vous êtes la cible parfaite pour ce maniaque? De toute façon, il n'est pas question que je reste ici. Nikki, je n'ai pas du tout l'intention de vous empêcher d'y aller, mais je veux retrouver mon ami en un seul morceau. On sait que ce malade frappe toujours par derrière. Tu ne t'imagines quand même pas que tu vas l'attirer et te protéger tout seul. Pour ce qui est de la protection, tu t'en charges. C'est la première fois que je joue les jeunes filles innocentes et sans défense. J'espère que vous êtes une bonne actrice. Il est bientôt une heure. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer. D'accord. On y va. Il y a de drôles de types qui te cherchent à la table numéro 10. J'y vais. Jablonski. C'est lui? Vous êtes Jablonski? Bobbitone. Bobbitone. Franchement, vous êtes bien mieux que sur les photos. Et surtout quand vous êtes habillé. Salut, on m'attend. Et on ne bouge pas, sinon. On y va, Ski va nous suivre pour nous couvrir. Je vois pas pourquoi vous avez fait toute une histoire. Je le trouve plutôt coopératif, pas vous? Ça fait 5 minutes. Où est-ce qu'il... Il va pas tarder à arriver. Embrassez-moi. Comment? Il faut jouer le jeu. Allez-y. De l'apercevoir. Il faisait nuit, il avait un chapeau et tout s'est passé si vite. Vous allez vous tenir tranquille pendant une semaine ou deux. Les points de suture vont se résorber, vous n'aurez donc pas besoin de revenir. Très bien, merci. Et qu'en pense la police? Maintenant, ils en savent autant que nous. J'espère qu'ils vont prendre cette histoire au sérieux. Je me demande bien ce qui est arrivé à Ski. Enlevez-lui ses chaussures. On va savoir ce qui t'intéresse le plus. De garder les photos que tu as de moi ou de sauver ta peau. Si vous me promettez de ne plus jamais m'appeler Herman et si vous me donnez un téléphone, je suis certain que nous n'aurons aucun mal à les retrouver. Bon sang. Aucune nouvelle de Kameko. Vous êtes inquiet? Oui, beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. À quelle heure voulez-vous qu'on se retrouve? Parce que vous voulez qu'on se sépare? Vous allez à la recherche de Kameko, non? Mais je n'ai pas dit ça. Oh, c'était tout comme.
Moi, je vais au labo de la police. Ils ont récupéré le bout de lame brisée pour relever les empreintes digitales et procéder à des analyses. J'ai aussi demandé qu'on m'envoie du matériel de Kyoto. Il doit déjà être arrivé. Il y en a trois, à peine visibles. C'est tout ce qu'on a. À mon avis, la personne qui a utilisé ce couteau portait des gants. J'ai envoyé ces empreintes au fichier central. Nous en avons d'autres, moins nettes, mais je crois qu'on n'en tirera rien. Votre fax de Kyoto est arrivé. Ah, si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à m'appeler. Jonathan, c'est Nikki. Je viens de recevoir des informations de Kyoto. Akiro Makura n'a vécu à Hawaï que pendant 8 ans. De plus, la totalité de ses papiers est encore au Japon. Jonathan, Akiro Makura n'a jamais eu de fille. Oui. Je vous écoute. Ne quittez pas. Mademoiselle Kay, un appel pour vous, ligne 19. Jonathan ? Non, Nikki, c'est Ski. Monsieur Jablonski, vous êtes avec Jonathan ? Non, pas en ce moment, mais ça doit bien faire une heure que je suis à sa recherche. Et de votre côté, tout va bien ? J'ai bien peur que non. Jonathan est allé voir Kameko, mais je viens de recevoir des nouvelles très inquiétantes de Kyoto. Qu'est-ce que c'est que ce baratin, Herman ? J'ai horreur qu'on se paye ma tête. Je veux récupérer mes photos. Oui, mais... Ne vous énervez pas, je crois savoir où les retrouver. C'est vrai ? Kameko ? Akiro ? Kameko. Kameko. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien? Tout va bien? Du calme. Chut, chut, chut. Où est Akiro? Où est-il? Hein? Vous allez rester ici jusqu'à ce que je revienne, compris? Bon, à tout de suite. Si c'est une plaisanterie, je trouve pas ça très drôle, Herman. Oh, j'avais oublié de vous dire que mon associé est sur ce bateau. Et si on veut les photos, c'est à lui qu'il faut les demander. Je t'en supplie. Trouver le coffre appartenant à mon père. Je n'avais que 14 ans à l'époque. Il l'avait bien caché. Mais je l'ai trouvé.
Le chapeau de mon père. Son manteau. Le couteau de mon père. Je les ai retrouvés, vous savez. Okura Makura est votre père. Mon père est un homme remarquable. Et je suis tout ce qu'il a de plus cher au monde. Votre père est coupable, nous savons que... Non ! Il ne peut pas être coupable. C'est moi l'assassin. Ce n'est pas en vous accusant de ces crimes que vous innocenterez votre père. Mais mon père est innocent. Allez, venez. Il est innocent. J'ai essayé d'être la plus concise possible. À deux pages près, c'est aussi long que Guerre et Paix. Et encore, je ne suis pas entrée dans les détails. Quand on a condamné son père, Kameko n'a jamais cru à sa culpabilité. Quelques années après, quand on a retrouvé le coffre contenant les preuves, son esprit a basculé. Et donc, pour protéger l'amour qu'elle avait pour son père, elle s'est convaincue d'avoir commis tous ces crimes. Et ce n'est que le premier chapitre. C'est vrai, après ça se complique. Vous devriez vous lancer dans le roman fleuve. Mademoiselle Kay, votre voiture vous attend. Un chauffeur? Avec les compliments de la police de Kyoto. C'est leur manière de sauver la face. C'est la moindre des choses. Vous allez avoir de l'avancement? Oui, c'est déjà fait. Détective seconde classe. Félicitations. Vous avez tout pour devenir la meilleure. Saluez Kyoto de ma part. Non, tu peux pas me faire ça. Viens avec moi. Mais je peux pas. J'ai promis d'aller au match de polo. Quoi, tu préfères voir des types tomber de leur cheval plutôt que d'assister à un concert? Aide-moi, Jonathan. Le concert de Bobbiton a été annulé. Il est en prison. Ah, toujours est-il que j'ai les places et qu'il y aura un concert. Ben, qui l'a en place? Un groupe hawaïen avec plein de danseuses. Si je t'accompagnais au polo. Ouais, t'as raison. Et qu'est-ce que vous avez contre le folklore?